Aydou Spik joue à maillot blanc contre Djurgård Hongrie. Un but déjà pour Spik de Rukliak, 1-0 sur un centre de Zungul. Au match aller, ce sont les Hongrois qui avaient gagné par 2-1. Et l'égalisation maintenant par Tartre. Non, c'est la rediffusion au ralenti de ce but de Rukliak sur un centre de Zungul. 1-0 donc pour l'équipe de Split. Et voici maintenant l'égalisation par le Hongrois Tartre de l'équipe de Djurgård. Un but partout. Nous revoyons ce but. À ce moment-là, bien sûr, les Hongrois sont qualifiés puisqu'ils avaient gagné par 2-1 au match aller. Vous allez voir maintenant Churiak, fauché par un défenseur hongrois. Ce n'est pas évident, la faute pour moi était involontaire, mais l'arbitre a sifflé pénalty pour Split. Pénalty tiré par Vujovic dans la lucarne. Nous allons revoir ce pénalty. Split gagne donc par 2-1, 2-2 sur l'ensemble des deux matchs. La prolongation n'a rien donné, il faut avoir recours à une série de pénalty, alors que vous revoyez ce pénalty réussi par Vujovic au cours du temps réglementaire. Série de pénalty donc maintenant. Split qui marque par Salov, 1-0. Djurgård, le gardien de but arrête. 1-0 donc pour Split. Encore un arrêt, mais cette fois-ci du gardien de but hongrois. C'est au tour des Hongrois de tirer par Foucault, qui égalise un partout. Encore un arrêt d'un gardien de but. La Split a raté ce penalty. Et c'est l'Hongrois Tatar maintenant qui va donner l'avantage à son équipe. 2-1 pour la Hongrie. Ah, il ne faut pas rater ce pénalty. Boliat le réussit de partout. C'est au tour d'un joueur de Djurgård, le club hongrois. Et à nouveau, le gardien de Split arrête ce pénalty. C'est vraiment un exploit. Au tour de Churiak maintenant pour Split. Qui donne l'avantage à l'équipe yougoslave. 3-2. Ola égalise. 3 partout. La série de 5 pénaltys est terminée. Maintenant, c'est au finish. Zungul donne l'avantage à Split. La Hongrie a l'occasion d'égaliser et c'est un tir, mais oui, sur la transversale. Balle d'égalisation ratée pour les Hongrois qui sont donc éliminés, mais vraiment pour 2 cm.